Salut la gang, c'est moi Julien Bernatchez. Cette semaine, je pense qu'on a un très beau show. On vient toujours de l'enregistrer. Écoutez, on a reçu Capable des bonnes anecdotes de la part d'Israël qui nous raconte une histoire de poignée de porte, n'est-ce pas Israël? Ça le gêne, hein? Ça le gêne pas mal. C'est pas mal drôle, c'est pas mal bon aussi. Puis en plus, on est en performance acoustique. Mais on va commencer par les petits plugs, évidemment, les amis. D'abord et avant tout, on est au magnifique Studio Pickle. On vous le rappelle chaque semaine, il est disponible en location. Donc, à lololol.ca ou info@lololol.ca. Ou sinon, écoutez, écrivez-nous personnellement si vous ne trouvez plus, là. Vous pouvez le louer, il y a des gens qui commencent à le faire, puis c'est une crise de belle place. Puis ça vient avec Joe. Vous pouvez louer Joe aussi pour aller au cinéma si vous voulez. Sinon, il y a le Patreon, évidemment, toujours avec l'After Show toujours vivant. Cette semaine, Seb nous a raconté quand il. Seb, le gars de Capable, nous a raconté quand il conduisait une Zamboni dans sa vie. Fait que c'est pas mal, c'est bien divertissant. Il y a toujours aussi un contenu exclusif au moins à chaque semaine. Et récemment, en plus, il y a même Maxime qui drop ses épisodes de Nous sommes des MP3 sur Final Fantasy pour célébrer la sortie du nouveau Final Fantasy. Fait que du stock en masse, il y a beaucoup de stock. Abonnez-vous sur YouTube pour manquer les épisodes. C'est important pour nous parce qu'on repart à 9 sur YouTube, on repart à 0, vous comprenez, vu qu'on est quelque chose pour rire. Ça va bien leurs affaires. Faut vous abonner au YouTube de Décidérès, c'est super important pour nous, ça va nous aider. Sur Instagram, on est là-dessus aussi, Facebook, TikTok, Discord. Et ensuite de ça, aussi évidemment, ben, on le faisait pas, mais on va le faire, écoutez, là, tout le monde le fait, on va le faire nous autres aussi, là. Si vous aimez ça, là, hein, 5 étoiles, hein, pas super, 5 étoiles, pas 4, là, je sais pas qui met, mettez 5 étoiles, ça serait très, très apprécié. Et la plug la plus importante, les amis, cette semaine, nous serons live au Patrovis. On fait un show live, c'est ce que je voulais plutôt dire, évidemment, on fait un show live au Patrovis le 23 mars pour souligner le 601e épisode. Ça va être un hostie de gros show. Ça va être aussi le grand retour de Laurence Gottschall. Alors écoutez, 20$, le Patrovis, 23 mars, 601e épisode, 20h. Et si vous êtes membre Patreon de la marmite, que c'est 10$, hein? Ouais. C'est 10$, ben c'est gratuit. Fait que là, faites le calcul, là, c'est pas pire. Le show est gratuit. 10$, le show de 20$ est gratuit. Bonne émission! À chaque semaine, je vois mes amis, j'apprends rien, je m'amuse bien, je me sens un peu plus traiteur. Plus d'explosion, plus d'explosion. C'était Max qui faisait la musique. Ils ont quasiment la même voix. Ils ont quasiment la même voix, hein. C'est moi tout, je trouve ça assez bien bon. C'est pas Max, c'est qui d'abord? Là, pour la dernière fois, je pue pas, je chante le punk. Mais tu es au clair, là? Mais c'est bien que tu parles de ça parce qu'il y a une thématique aujourd'hui, Julien. C'est quoi la thématique aujourd'hui, Guillaume? C'est complètement punk! Ah! Hein? C'est une émission punk? Ben, je pense. Je pensais que c'est l'épisode jazz. Ah! Ou blues? Vous souvenez-vous qu'on a un épisode blues qui s'appelle Enlève ta blues? Détache ta blouse. Oui. Souvenez-vous qu'on a un épisode reggae qui s'appelle Fierté reggae. Ça veut dire qu'on avait une petite. On a une thématique de faire des épisodes musicaux là, aux 3-4 mois. Ben, ça tombe bien. Fierté reggae. Ben, non, on n'a pas pensé à ça pour aujourd'hui. On aurait dû avoir un titre spécial. Ben, pas besoin parce qu'on a des invités déjà très spéciaux. Ah, oh, mon Dieu, on est en nombre. Ah! Viens avec moi, Sébastien. Et Isra Bajoie. Définitivement, oui. Du band Capable. Yes. Israël, d'ailleurs, Guillaume m'a expliqué tout à l'heure pourquoi t'étais tout le temps de mauvaise humeur. J'ai pas dit ça. On a parlé de. Il y a eu du gossip pour ça avant qu'il arrive. On a parlé du surnom Isra Bajoie, puis j'ai dit que c'était entre autres à cause que t'avais un ascendant Capricorne. Okay. Ça te rendait très sérieux. En fait, ça prend des quorums, des règlements quand oui, il se passe oui, des oui, affaires. Comme ouais. Quand on fait des YouTube battles, on fait comme, il y a un ordre, puis that's it. Ouais. Puis, chacun son tour. T'es rendu avec des lunettes. Quand je t'ai connu, tu te rendais des poignées de porte dans le cul.
Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'était, ouais. C'était pas toi, ça. C'était mon ami Benoît, ouais. Mais j'ai participé à... Il y a pas mal d'histoires qu'on peut raconter quand même. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Toi, tu t'es pas rentré de poignée de porte dans le cul. Non, mais j'ai aidé Benoît à se rentrer une poignée de porte dans le cul cette journée-là. Mettons quel format qu'on parle de poignée de porte. Conventionnel, c'est pas ceux de fantasy. Là. Elle. On parle d'une boule, mais tu sais, finalement. On parle d'une boule. C'est pas rentré dans le cul. Il se l'est mis entre les fesses, puis moi, je tournais la poignée de l'autre bord pour que ça y. Ça fasse quoi? Ben, pour que ça y chatouille, tu sais. Le trou de cul? Ouais, c'est ça. C'était pas dans son dos. Ah, moi, je pensais qu'il. C'était comme entre les fesses. C'est dans les fesses. C'était entre les fesses, mais pas dans le trou. Pas dans, mais pas dans le trou de cul. Puis, moi, j'ai l'autre bord de la poignée, mais je tournais. Puis, comme ça, ça y faisait comme. C'est ça que vous aviez consommé, ça, il faisait drôle. C'était une débauche de 2-3 jours, écoute. Puis, cette journée-là, on devait être lendemain de speed, d'extasie, puis on brossait encore. D'après-midi. Fait que là, c'était dit, vous avez regardé à la porte, vous avez fait. OK, on n'a pas le choix. J'ai quoi faire avec ça? Ben, on n'a pas le choix. Tu sais, on se mettait genre des chips dans le prépuce, puis on s'est cassé. Puis là, il y en a un qui était plus Daredevil, qui s'était mis des chips au jalapeno. Wesh! Seigneur! Écoutez, tu parles là-dessus. Moi, j'ai arrêté de consommer il y a 2 ans. Oui. Je te dirais que les épisodes de trash de 3 jours de brosse de même, où ce qui se passe des affaires... sont pas mal plus rares. C'est comme plus rares. Il est exclu, mais non, mais en même temps, tu l'as fait. Oui, vas-y, Sébastien. Mais c'est l'époque que j'ai connu Zé aussi. J'avais comme 18, toi, t'avais un peu plus vieux. Puis, man, je me rappelle d'avoir été dans un party de même chez Perron. Puis, du monde qui se mettait tout nu, genre, puis qui se donnait des coups de bobette dans la face. Puis, ça, j'avais jamais vu ça. Puis, j'étais comme, tabarnak, c'est ce genre d'after. C'est un monde qui s'ouvre à moi. Là. C'est vrai qu'on se sent comme ça quand on rencontre. Ça vous a rapproché. Je me rappelle plus si Zay était dans cette partie-là, mais c'était comme cette gang-là. Ouais, on gang, avait comme là. Une gang quand on se mettait chaud, on était poêle. C'était sur quelques jours. Là. Ouais, tout le temps, tu sais. Puis, tu sais, des affaires pipi-caca drôles, là, comme des coups de bobette, là, j'ai déjà vu ça. Chier sur une boîte de céréales. Mais ça, ça il l'a déjà raconté. Il l'a déjà raconté. Allez écouter l'épisode 412. Bon. Ben, mettons que tu faisais la version courte en 30 secondes. J'avais fait du speed, ma coloc s'était acheté plein de céréales parce qu'elle était gratteuse, tu sais. Ouais. Fait qu'elle les avait comme tout empilées dans le coin de la cuisine. Puis j'ai eu des épisodes de somnambulisme du haut speed. Puis un matin, je me suis levé, puis il y avait un étron sur ses céréales. C'était pas dans la boîte de céréales? Non, c'était sur la pile de boîtes. C'était des minoïdes, on s'en rappellera. Oui. Puis là, tu sais, ça m'a rendu très triste de voir où j'en étais. Oui. Fait que. Mais tu sais, mais toi, tu t'en rappelais pas. Je me rappelais pas d'avoir chié sur les boîtes de céréales. Elle avait caché des caméras comme dans genre paranormal. Ben non, mais je veux dire, entre moi et elle dans l'appartement, c'est lui qui chissait. C'est sûr que c'était toi. C'est sûr que c'était moi. Ben oui, puis là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, ben, je voulais pas, vu qu'elle est gratteuse, j'ai ouvert la boîte puis j'ai sorti le sac pour qu'elle puisse garder ses céréales. Ouais. Puis là, je suis. Tu sais, là, j'avais de la peine, j'avais honte, puis là, je suis sorti, j'ai ouvert la porte pour aller l'emmener dedans la benne à ordures, tu sais. Puis j'ai vu un gros étron sur le couvercle de la poubelle. Puis ça m'a fait réaliser que je suis sorti sur ma galerie pour chier devant les passants. Puis je me suis mis à pleurer. Mais attends, t'as chié chié plusieurs fois. Dans le fond, sur les céréales, puis sur la poubelle. Sur des boîtes de céréales, pas directement. Ben oui, ça va. Pas dans les céréales. Sur les céréales. Il a refermé le sac en somnambulisme. Dans les cornflakes. Mais tout ça, c'est très drôle parce que tu ne consommes plus depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui, 2 ans et quart. Qu'est-ce qui a poussé cette. Pourquoi t'as fait. Pourquoi? Comment? Quand je chie, non. Non. Parce que là, j'avais chié. Ben, pour de vrai, ma dernière brosse, on l'a passé, je pense, tous ensemble, peut-être. Je sais que Sébastien n'était pas là, mais on a fait un réveillon de Noël sur Zoom, parce que c'était la pandémie. Puis je sais pas pourquoi, j'avais pogné la COVID. Puis le lendemain, je me suis assis, j'avais ma bédaine qui déboulait en dessous de mes genoux. En dessous de tes genoux! Je me suis levé, là, puis là, ça a fait comme... Pff, là, j'étais comme... J'étais comme isolé dans la cave, tout seul devant un miroir en bobette. J'étais comme... Tout nu devant le miroir. Je peux plus, genre, j'étais comme, c'est assez, j'aime c'est plus assez. Ça. C'est juste, je sais pas comment dire, mais il y a peut-être de quoi de chimique avec la COVID qui s'est passé ce soir-là. Je me suis dit, ça me tente plus, là. Je suis tanné d'être lendemain de veille. Je suis tanné d'être... Tu sais, j'étais vraiment genre cerné,
Je sais pas, j'étais comme, je débordais de partout, j'étais mal dans ma peau. Ouais. Puis tout d'un coup, je me suis dit, c'est assez, je veux changer, tu sais. Ben, félicitations. Ben, je te remercie. Ben, bravo. Puis, ma vie s'est grandement améliorée depuis. J'ai eu des promotions à job, j'ai signé sur un gros label. Ouais. Mes relations avec mes bandmates sont meilleures, j'ai l'impression. En tout cas, Max me l'a dit. Ça me dit le contraire, mais selon toi, ça va moins bien depuis qu'on ne consomme plus les relations entre les membres. Non, ça va vraiment mieux. Là, ok, d'accord. Ouais. Avant les shows, c'était l'enfer. Là, c'était, ils tournaient en rond, puis ils étaient... hyper anxieux, là. Je pense que c'était souvent le lendemain de brosse aussi, les journées de show, parce que dire que tu brossais la veille. Ouais, c'est ça. Là, on allait te chercher chez vous, puis t'es comme, ah, j'ai brossé hier avec Kevin, nanana. Puis là, il arrive au show, puis là, tu sais, l'anxiété, puis non, c'est vraiment, là, à cette heure, il est genre en shape, tu veux faire des longs shows et tout, là, ça, c'est nice. Moi, là, je suis plus calme, frais et dispo. Mmh. En fait, je buvais pour calmer l'anxiété d'avant show. Ben oui, ça fait ça. Puis je me suis rendu compte que je gère vraiment mieux ce stress-là depuis que je suis sub. Fait que, tu sais, je vois juste du positif depuis que j'ai arrêté cette fois-là. Ben, félicitations, encore une fois, évidemment. Puis on t'a pas invité juste pour te roaster sur tes années de consommation, parce que c'est tellement drôle. On n'a pas le choix. Mieux vaut en rire. Tu te rappelles-tu quand on s'est rencontrés la première fois aussi? J'étais un peu sa brosse, mais... On était dans la cave d'une fille dont le nom m'échappe, puis on était là pour sa fête à elle. Puis finalement, on a passé la soirée à parler de Contes pour tous, isolés dans la cave. Et de Dorothée. Puis on a eu des éclairs, il y a eu des flamèches ce soir-là. Oui, on s'aimait beaucoup immédiatement. Puis on a juste parlé ensemble, puis on a ignoré tout le monde dans le party. Ben oui, puis je venais de faire mon examen pour passer à Tous pour un, spécial Contes pour tous. Puis ben, je suis jamais passé à l'émission finalement parce que j'ai pas réussi l'examen avec la c'est note. Une perte pour eux. Hein? Ben oui. C'est vrai. Tant pis pour eux. Hein? T'es allé à l'opération de Dessina, je parlais des Contes pour tous pendant 1h30 quand même. C'est vrai, c'est bien mieux. C'est beaucoup mieux. C'est moins payant. Les questions étaient tough dans l'examen, là, c'est pour ça. Là, non, je comprends. Fallait que tu nommes le nom des acteurs secondaires des aventuriers du thème perdu. Puis j'étais comme, j'ai aucune idée. Avant toute chose, il faut que je plug qu'on a un show pour la 101e au Patrovis. Si. Oui, c'est le 23 mars prochain. Donc, c'est 20$, c'est pas cher, c'est 20$ au Patrovis le 23 mars prochain. La 601e, il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir notamment le grand retour de Laurence Godchild, qui est venu comme 3 fois l'an passé. Ben, elle va être là. On prépare un personnage. C'est... Elle est un peu comme le Waikiki à hôtel, hein, Laurence. Elle... Ouais. Elle est loin, elle est en vacances, dans le paradis fiscal. Si on veut, des paradis fiscaux. Oui, c'est vrai. ça va être un maudit beau show, puis les billets vendent bien déjà, alors on est très content. Fait que venez voir ça le 23 mars au Patrovis, les billets, allez sur la page de dessus, les restes, vous allez trouver. Là. Ben oui, c'est ça. Allez-y. Puis bon, on vous a invité pour jaser de Capable. Alors Capable, c'est quoi cette bibitte-là? Capable! Capable avec un point d'exclamation, c'est quoi ça? Ben, je pense que c'est Sébastien qui voulait faire un bend. Moi, j'étais en pause de bend pendant plusieurs années. Ouais, mais là, t'avais lâché la musique. Mais là, ça te déprimait. Ouais, ça me déprimait. Ben, je buvais aussi, tu sais. Ah bon, c'est ça qui te déprimait. Si on peut mettre tous nos démons dans le même panier. Seb m'a sorti de ma torpeur, là. Il m'a dit, j'aimerais ça partir en bend avec toi. En même temps, je sais qu'il y a un local qui s'est libéré. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. On a commencé ça sans trop d'attente. Notre drummer allait lâcher un an après. Moi, je m'étais dit, on va signer sur Stuff. Sauf pas les étapes. Je me suis dit, dans 10 ans, si on part là, on arrive dans 10 ans. Non, c'est pas vrai, mais... dans le fond, on s'est juste dit, OK, on part un ben, mais on enregistre tout sitôt qu'on a 6 tunes parce que ça arrive trop souvent qu'on n'a pas le temps d'enregistrer avec les ben. Les ben se séparent. Oh, boy! C'est fort, hein? Oui, c'est fort, pas mal. Décidérez! Ciboire de Chris! Oh, wow! Ah, c'est le petit gars de Chris, ça! Quand vas-tu ce matin? Ça va bien! Ouais, on est avec... J'ai de m'acheter une épée! Tu viens de t'acheter une épée? Oui! Pourquoi faire? Une belle épée deux mains pour aller aux Zellers! Oh, mais qu'est-ce que... Pendant mes années de brosse, moi et mon ami Benoît, on s'est déjà acheté un katana dans un dépanneur, 50$, juste pour faire de la coke dessus. Ben, c'est ça qu'on va faire, nous autres aussi. Ah, c'est pour ça que vous l'achetez, l'épée aux... Attends, vous l'avez acheté aux Zellers? Non. Hey, toi, tu comprends rien, coudon? Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, juste pour que ça soit plus clair. C'est pour aller aux Zellers, pour qu'ils arrêtent de me niaiser. Pour acheter des posters. Super de Chris! Oh. Ça, c'est légendaire, quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Quoi de neuf avec toi?
Je viens de m'acheter une épée. Ah, ben coudonc, oui. T'écoutes pas! Non, je sais ça, mais. On se concentre, Julien. Ça fait comme genre 5 ans qu'on ne s'est pas parlé. Oui! Il s'est passé depuis à part ça. Ben, ok, ben, c'est sûr que c'est le moment le plus important, là. Je suis rendu que j'ai mon permis. Ah! Ah! T'as quel âge déjà, rappelle-moi? Là, je suis rendu à peu près à 15. Ok, tu vieillis. Oui, ok. Un permis ben d'épée? Là, ouais. J'ai mon permis de scooter. Ah! Je me promène en scooter avec mon épée. Ben oui, comme dans Mad Max, on dirait. Ah ouais, c'est ça. Je porte un masque à gaz. Est-ce que tu tiens ton épée dans la main pendant que tu chauffes ou ben t'as comme un genre de truc là pour un fourreau? J'ai un fourreau. Un fourreau. Merci, les gars. Il y a un fourreau. T'es-tu encore dans Avenged Sevenfold ou t'as évolué un peu musicalement? Non. Là, vous mêlez toutes. Ah, ok, ben je vais te laisser aller d'abord, là. Les Avenged Sevenfold, j'ai jamais joué là-dedans. C'est mon band préféré. Oui, non, je sais que t'es pas là-dedans. Puis je les écoute encore. Leur dernier album, No Escape, c'est leur meilleur. Ah oui? Ben, je sais pas, là, mais... je sais pas s'ils s'appellent de même, mais ils devraient. Ouais, j'avoue que je sais pas non plus. Êtes-vous, vous, êtes-vous fan de Avenged Sevenfold? Pas correct, là, quand c'est sorti. Quand c'est sorti, ok. Il y en a qui ont évolué, toi, lui, est stické là-dessus. Hey, j'aurais un petit message pour les gars de Capable. Ben, on est tous oui. Je vais aller à votre lancement avec mon épée. Ah, ça c'est dark. C'est une bonne idée, je pense. Oui. Je vais la lancer dans le pit. Yeah, bien sûr. Mm-hmm. Ah, imagine-toi que tout le monde dans le pit, c'est comme des dragons, mettons. Là. Ben oui. Orques. Je pense que Zay va emmener son katana. Vous allez faire un combat d'épée puis de katana. Là. Hey, ça sera le fun. Ça sera le fun. Mais pas de poudre, par exemple. Non, ben c'est là... fini. Là, c'est fini, là, la poudre sur la katana. Ouais, oui, ça serait pogne pas mal. Vous pourriez faire des puffs aux coutes, là, avec les levées et oui. Le katana. Là. Ah, bonne idée. Bon, ben, moi, faut que j'y aille. Ben, merci beaucoup. C'est moi de Chris. Yeah. Merci beaucoup. Yeah, merci. Bye-bye. Bye-bye. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Ben oui. C'est le petit gars, c'est moi de Chris. Okay. Avec son ami Poil Tefal. Ouais. Il mange des fois des pots de café au complet à cuillère. C'est comme le cousin de l'ouragan Fuck You Tabarnak. C'est un peu dans le même esprit, je dirais. Oui, okay. Effectivement. Mais tu sais, je dis ça, mais en fait, c'est la première fois que je le rencontrais. Je n'y ai jamais parlé. Non, ouais. C'est ça. Okay, d'accord. J'avais appelé pendant que je suis là. Mais là, il nous a Moi, je le connais, mais. Oui. Il nous a interrompu, c'est pas grave. Là. Mais là, je reviens à ma question initiale. On se concentre. C'est quoi ce capable? C'est quoi ce drôle de bibitte-là? En fait, on voulait juste avancer tout le temps. Juste okay. Se dire, check, on va faire des tunes, on va enregistrer à chaque fois qu'on a 6 tunes, puis on verra où ce que ça nous mène. Puis le Ben a vraiment pris plus de traction que je l'aurais jamais imaginé. T'sais, j'ai eu beaucoup de Ben avant. C'est quand même, je pense, le plus gros Nomme-les. Morceau que j'ai pu faire. Nomme-les toutes. Toutes. Ben là, il n'est pas dans 50. Ah, oui. Bonne journée. J'ai joué dans les Sprats, dans les prostitutes, dans les... Ben, j'ai remplacé dans les prostitutes. Les Cacamous. Extomrec. Extomrec. Ben ça, c'est drôle parce que... Dans ta phase anale. Ouais, c'était ma phase anale. Cacamous sur céréales. Je voulais qu'on s'appelle les Tomrec. On l'a fait un show sous le nom Tomrec. Puis finalement, on n'aimait pas trop ça. On a décidé de s'appeler Ma Tante Roulotte. Puis, finalement, on trouvait que Ma Tante Roulotte, c'était lame. Mais là, on ne pouvait pas s'appeler les Tomrec parce qu'on s'était déjà appelé de même. Fait qu'on s'est appelé les Ex-Tomrec. Les Ex-Tomrec. Ça a duré quand même. Ouais, ça a eu un succès d'estime en région. Ouais. Ça a duré 20 ans. Ouais. T'avais-tu le CD? Ça a duré 20 ans, ça a duré à longtemps. À peu près, 25 ans. Ben oui, Seb, il avait le CD, il l'écoutait quand il était jeune. Ah oui, vous avez enregistré 2 tunes. On a repris une tune aussi quand on va à Rouen, on fait dans notre coin ouais, une tune des Tomrec. Puis tout le monde chante. Puis c'est ouais. Ben, Seb, c'est cool parce qu'il venait voir mes shows quand il était jeune. Yeah. Okay. Fait que c'est un peu. Je sais pas comment dire. Là, c'est comme le fun. Puis tu sais, moi aussi, la scène de Rouen-Noranda, c'est une scène qui m'a fait grandir. Puis que j'ai, en voyant ces bands-là, j'ai voulu jouer de la musique avec eux autres. Ils m'ont accepté. Puis. Après ça, moi, j'accepte Seb dedans ce cercle-là. Ben, ouais, il était déjà accepté par d'autres personnes du... Mais tu sais, c'est le fun que... Des gens moins regardants un peu. C'est le fun que ce soit consent bien puis qu'il y ait plein de bennes qui se soient formées là-dedans. Puis tu sais, ça nous a... La ça scène nous a de Rouen, c'est le fun que ce soit consent bien. Ah, ça se passe à Rouen. Il y a une scène de Rouen. C'est-tu une des plus belles scènes punk au Québec, tu penses? J'arriverais pas à dire. Dans les plus belles scènes, mettons. C'est quoi les plus belles scènes punk au Québec? Apparemment que c'était... Je pense que c'est loin un petit peu de ton micro, ça se peut. Sainte-Thérèse, ils ont gagné la ville la plus punk en 2017. Ah, tu vrai?
En tout cas, oui. Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, c'est la ville la plus punk. OK. 2017 environ. Quand que je grandissais, c'est juste que, tu sais, il y avait des gens qui se donnaient la peine de faire venir des bands, d'organiser des shows, puis de créer des bands. Puis, tu sais, quand tu vois le gars pompiste au dépanneur dans un show punk, tu te dis, ah, OK, moi aussi, je peux jouer de la musique. C'est pas juste le monde de Montréal qui peut jouer de la musique, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça. OK, je comprends. Puis c'est les belles années, les années de musique plus, tout ça. Ben oui. Ben oui. Fait que là, parce que... Les années qu'on a manquées. Ouais. C'est arrivé juste après. Ouais, c'est ça. Il y en a comme 4 bandes qui en ont profité à peu près. Puis, ben, Capable, donc, ça vous a fait 4 EP. Ouais. Fait, c'est ça, parce qu'il fallait sortir des tunes. Mais ça vous sentait pas de faire. C'était toujours des EP. C'était... En fait, à chaque fois qu'on arrivait à 6 tunes de composer, comme vous avez dit, il y avait aussi qu'on était sur le bord de perdre notre drummer. À chaque fois que vous êtes rendu à 6 tunes. C'est vrai, pareil, parce que le premier EP, c'est ça, on a fait 6 tunes, notre drummer, il s'en allait. Même affaire pour le deuxième, troisième, je veux dire. Puis. Après le quatrième, dans le fond, ouais, le couple était stable, dans le fond. Mathieu, notre plus récent drummer, il était pas sur le bord de partir pour aucune raison. Fait qu'on s'est dit, ben, c'est le temps, on là, après le 4 temps, EP. Là. T'sais, on a aussi bâti un gros fanbase. On était rendu à genre 1500 followers. Il y a bien des bands qui composent des chansons, puis juste avant des tapés, ils se splittent, puis les tunes n'existent juste jamais. Ou ouais. Ils sont enregistrés comme tout croche, fait qu'il y avait cette volonté-là aussi. Dans l'urgence, là. Ouais, ouais. Puis un bon roulement de personnel. Puis Zay, en tout cas, ben, je sais pas si c'est encore le cas, mais à chaque fois qu'on est comme les tunes sont toutes faites, puis on est pré-enregistré, il y a tout le temps un certain temps avant de rentrer en studio. Puis Zay m'avait dit un moment donné, man. Tu sais, j'ai peur de mourir, là, tu sais, en ce temps-là, genre. Parce qu'il dit, imagine, ouais, quoi, genre, je meurs, puis, tu sais, ces tunes-là, ils n'existeront jamais, là. Fait qu'il y a vraiment une urgence de, genre, taper les tunes, puis une fois que c'est fait, c'est comme, ah, c'est bon, là, je peux mourir. Ah oui, c'est vrai, j'ai un enfant. L'enfant, il est fait, tu sais. Ouais, dire, il est fait. Il va survivre, là, ouais, même bien, si là, tu meurs. Les tunes, c'est vraiment... J'avoue que ça prend une tournure un peu dark, mais tu sais, oui, c'est vrai que je suis comme, tu sais... Mais non, mais je comprends, c'est pas si dark que ça. Mais tu sais, tu m'avais dit ça un moment donné, mais je me suis mis à stresser avec ça et tout. J'étais comme, si tu le fous pas, je meurs, on rentre en studio dans 10 jours, une fois que ça va être fait, là. Ben, c'est bien, c'est... Arrivera ce qui arrivera. Très ascendant. C'est pas capable, c'est une urgence de créer. J'aime ça. Ouais, ça, c'est vrai. Beau. Les créateurs... Prends des notes, Julien. Urgence de créer. OK, ben, je vais le noter. Je vais le noter ici. Reste une petite place, ma femme. OK, je vais le noter ici. Urgence de créer. Je vais parfaitement voilà. Noter. Je sais pas que ça va être le titre dans le prochain album. C'est pour plus tard. On garde ça en fait, je vais y venir. Parce que là, c'est ça. Là, c'est les 4 EP. Vous faites les choses dans les étapes dans le bon ordre. Oui, le tout à fait. Le band se cimente. Le fanbase se construit. Exactement. On fait les EP. On améliore, j'imagine, la technique. On améliore les textes, tout ça. Puis ça nous mène à l'album. Au désordre organisé. Le désordre organisé que vous avez sorti le 23 février, votre premier vinyle. Oui. Est-ce que tu rêvais de faire un vinyle un jour? Définitivement. Puis, capable. J'allais dire... C'était un band qui s'auto-suffisait, tu sais. Dans le fond, on payait jamais pour le gaz pour faire les shows ou de quoi, mais ça nous laissait jamais d'argent de côté pour faire des vinyles. Puis, on a enregistré, puis on l'a envoyé à Stump Record, qui ont accepté de nous signer. Je pense qu'on était rendu là. Puis, eux autres ont accepté de presser des vinyles. Fait que c'est vraiment un rêve devenu réalité, des beaux vinyles orange. Il y en a un orange puis un vert, ouais, je pense. Je veux dire que c'est pas tant mon rêve de presser des vinyles. OK. Ah, chacun son rêve. Mais tu sais, je suis content que ce soit fait. Toi, mais tu vas être millionnaire. Puis... Bon, j'ai d'autres je rêve la paix dans le monde. Seb, ça le fait vraiment chier que vous non, avez un vinyle. Non, pas chier, mais tu sais, manque ça un peu. Yeah, ça. Okay. Ça, c'est le vinyle que je m'écris de. OK, c'est quoi... C'est quoi ton rêve, ce petit rabat-joie? Je pensais que c'était lui, le rabat-joie. Oui, c'est ça, ben, finalement. Pas de hein, pression et vinyle. Ouais, OK, oui. Ça a été établi, mais c'est quoi ton rêve, d'abord? Ben, d'avoir un band avec mon chum, ça. Mais c'est déjà fait, c'est déjà fait. Non, mais, tu sais, de... Ça, tu te contentes de ça. T'es content de ça. Je veux dire, une fois que les tunes sont enregistrées puis que le monde les écoute, je suis satisfait. Tu sais, qu'ils écoutent en vinyle, en cassette, en CD. J'avoue que moi aussi, le médium est moins important que... Tu sais, je suis content d'avoir un vinyle dans le sens que... Ben, t'sais, ça rend le disque tangible. Ouais, mais tu sais, ça peut casser les CD. Oui, mais le tout peut casser. Là. Non, mais tu sais, ton dos peut casser. C'est juste un objet. Faut pas être attaché aux objets. Le monde sont tellement attachés aux objets. Là. OK. Bon, ben, fait qu'on l'achète pas le vinyle. C'est ça qui est. Non, mais achète-les si t'aimes ça, acheter des objets. Le monde aime ça, acheter des objets. Moi, j'aime pas ça. Ben, c'est une belle manière de nous encourager puis d'encourager la scène locale, de payer pour la musique. Exactement. Ça nous permet de faire de la poudre. C'est un bel objet. Sur des katanas. J'aurais pas dû sortir ça, mais je vais montrer le vinyle. Ah, c'est correct, prends ton temps. Ouais.
Puis tu sais, mais je pense que pour certains membres du band, c'est important de le faire aussi. Puis tu sais, on s'en fait demander depuis des lustres. Tu sais, c'est quand vous allez sortir votre matériel en vinyle. Ouais. Parce que les punks, c'est des collectionneurs de vinyle, pour vrai. C'est des collectionneurs, les punks, hein? Ouais. Les t-shirts, les vinyles, les collants, les pogs. Si, les pogs de NoFX. Mais c'est des pogs de Cabal? Non. Des pogs? Non. Ouais. On va revenir sous forme de Pog dans 20 ans. Je te rappelle-tu de capable? Ils sont revenus sous forme de Pog. J'ai le référent. Est-ce que j'allais dire? Non, ouais, mais il n'y a pas d'autres styles qui sortent des vinyles tant que ça. Je veux dire, en tout cas, ça se vend pas mal. Moi, je suis surpris. Là, de... Non. Drummond vinyle, tu sais, genre les Cowboys fringants viennent de tout ressortir en vinyle. Le monde sont fourrés. Ouais, c'est ça. Le monde aime ça, les vinyles. Moi, je vais l'acheter en vinyle, votre album. Ouais. Yum, voilà. 20$. 20$, ouais. Je l'ai sous moi. Donne-moi les. Ben, je l'ai pas le lit. On peut régler ça. J'aille là-bas. On peut régler ça. Non, on va laisser j'avais emmené pour que le monde le voie, là. Oui, regardez-le. Rentrez-vous-les dans la tête, là. Tu l'as mentionné, vous êtes rendu avec Stump Records. Ouais. C'est quoi Stump Records? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est ça, Stump Records, c'est un des plus gros labels de punk et ska canadiens. Rien de moins. Fait que c'est vraiment tout un privilège pour un band francophone d'être signé sous Stump. Les plus gros bands de ska? Ouais, c'est Scatophile. All right. Ouais, c'est ça. Oui, c'est la grosse étiquette de ska, c'est Stump. OK. Pour nous, ça veut dire des diffusions partout au Canada. Ça nous ouvre la porte pour des financements vidéoclips, financements pour passer à radio. On a une relationniste de presse. Ici, l'entrevue, c'est nous autres qu'on s'est plugués à la bonne franquette. On est des bons amis, moi puis Julien, ben puis Guillaume aussi. Allô? Mais la relationniste de presse nous a... Tu sais, j'ai eu des appels de Radio-Canada pour parler de l'album. T'sais, c'est des affaires qu'on n'arrivait pas à avoir avant puis que maintenant, on a... Ouais. Puis tu sais, quand il y a quelqu'un qui s'occupe de ça à ta place, ben t'as plus de temps pour te concentrer à faire de la musique, qu'est-ce que t'es supposé faire de mieux, tu sais. Ouais. Avant, on cachetait des enveloppes avec le CD, on l'envoyait à toutes les radios, ça prend du temps, ça prend de l'argent. C'est décassé dans l'enveloppe. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, Perstar, ça se fait tout seul. Fait que c'est merveilleux, dans le fond, de rentrer enfin dans cette machine-là qui est l'industrie musicale. De ne plus être DIY. Puis qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que qu'est-ce que j'aime de Stump, c'est une des dernières étiquettes qui fait ça un peu à l'ancienne, c'est ils sortent des vinyles. C'est comme une famille, un peu comme, comme on a appris. Tu sais, nous autres, quand on était jeunes, on checkait le label en arrière du disque. Ah, c'est Fat Wrecker. Bon, je vais aller écouter les autres disques de cette famille-là pour, tu sais, j'aime ce disque-là, je vais aller écouter les autres. Puis des bands de Stump, moi et Sam, on en écoutait quand on était jeunes, puis on les voyait passer à Musique Plus puis au Vans Warp. Fait que ça nous ouvre les portes de Musique Plus et du Vans Warp. Imagine Musique Plus. Ça, c'est en 2000. Ben, 2000. Musique Plus, avec une brique, tu peux ouvrir la porte, là. C'est pas trop... Mais là, c'est rendu un magasin de caméras, de Kodak. Ah oui, OK. Oui, je pense, en tout cas. Puis tu mentionnes les vidéoclips, on en est sorti déjà trois, donc Uvave. C'est le YOLO français. Bras-dessous, puis T-shirt préféré. Yep. Yes. Yes, sir, Miller. Puis des clips, puis ça a comme pas d'allure, les vues, là. T'sais, ils ont comme... 200 000, 300 000 vues. J'ai pas compris ça, pourquoi. Mais Max, il t'a mieux l'expliquer. C'est sûr que Stump paye pour des suggestions d'algorithmes. Fait que si quelqu'un écoute du vulgaire machin ou du petit Pennywise chez eux, ben il y a une chance qu'une toune de Capable sorte après. Ouais. Mais nous autres, qu'est-ce qui nous fait tirer notre épingle du jeu comparé aux autres bandes de Stump, c'est qu'on est francophone. Fait que c'est pas rien quand tu écoutes du petit NoFX que la toune va passer après, mais bien quand tu écoutes du Daniel Bélanger. Cowboy Fringant. Ouais. Tu sais, on rentre dans le créneau musique francophone. Si tu écoutes Francine Raymond, pow, Capable après. Oui, Angèle Arsenault. Angèle Arsenault, pow, esti. Produit dessous de bras. C'est vrai. Les beaux clips, quand même. Bras-dessous, le clip, il est fou raide. Ouais. Props à notre ami Guillaume Meloche qui fait nos clips pour que. Ouais, c'est ça. Bras-dessous, puis Uvave. Yes. Il y en a d'autres qui s'en viennent? Non, ça reste. C'est comme un peu avant l'album. C'est la promo de lancement d'album. On va peut-être. On est ouvert à en faire un autre, mais tu sais, à cette heure, c'est vraiment partir en tournée là, qu'on veut faire partout au Québec. On n'a pas de date, on est sous embargo pour le moment. Oh, balai, mais là. Sous embargo. On parle de votre musique, mais on a le goût, on se dit, c'est quoi ça, Capable, c'est quoi cette visite-là? On entend parler d'eux autres partout à DCDR, mais on a le goût de l'entendre. Puis je pense que ce serait bon pour écouter une chanson de nous autres. Ah oui! Okay. Oui! Oui, oh, oui, oui! Ah, c'était vraiment pas prévu. On joue T-shirt préféré. Eh, hey, ça me plaît! Yes! Mon T-shirt de band préféré. Y'a rien d'éternel dans l'univers. Pensez à ça, ça met à l'envers. J'pogne le vertige, juste imaginer toutes ces choses qui arrêtent d'exister. Cet enfant qu'on a élevé,
suis pas fuck out spirituel. Je ne crois pas qu'on a une place au ciel. Ça rend pas mal difficile d'accepter qu'un jour tout le monde va l'avoir oublié. Cette guitare que j'aime gratter, cet enfant qu'on a élevé, puis mon t-shirt de band préféré. C'est vrai, la vie fait aucun sens. J'éprouve quand même de la reconnaissance. J'suis content de pouvoir rire, j'suis content de pouvoir aimer. Si t'existais pas, il faudrait t'inventer les bons moments que je passe avec toi, Guillaume. Cette guitare que j'aime gratter, oui. Cet enfant qu'on a élevé, puis mon t-shirt de Ben préféré. Le ballet cosmique poursuit sa danse dans la plus totale indifférence. Ici sur Terre, y'a rien pour arrêter toutes les existentielles et notre éco-anxiété. Cette planète que j'essaie de sauver, les bons moments que je passe avec toi, cette guitare que j'aime rater, cet enfant qu'on a élevé, puis mon t-shirt de band préféré. Solo de Noël! Joy to the world. Do they know it's Christmas time? Joy to the world. Do they know it's Christmas time? Le soleil va faire brûler cette planète que j'essaie de sauver. Les bons moments que je passe avec toi, Guillaume. To me? Que j'aime gratter. Cet enfant qu'on a élevé, puis mon t-shirt de Ben préféré. En fait, Julien, il y a de quoi que j'aimerais te dire. Hein? Vas-y. Aujourd'hui, à toi et à toute l'équipe de Décidérez. En fait, c'est que le succès de Capable est aussi dû à Décidérez. Parce ben, que sûr. Tu nous as... Oui, effectivement. Évidemment, Colin. Non, jadis, tu m'as reçu, puis on était le lendemain de brosse, puis j'ai conté mon histoire de caca. Oui, on l'avait déjà raconté à cette époque-là, mais ça faisait quelques années. On racontait encore. Non, ben là, une fois par visite. Une fois par visite. Puis depuis ce temps-là, tu sais, nos écoutes ont vraiment augmenté, puis à chaque show, il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit « Je vous ai découvert à Décidérez. » Oh. Puis pour vrai, ça a vraiment eu un impact positif, fait que j'aimerais vous remercier. 100% notre fanbase. 100% notre fanbase, c'est des fans de Décidérez. OK, fait que c'est des gars de 45 ans avec une hygiène. Tiens-tu, tu dis ça de tes fans en l'an? Ouais. On a fait un grand sondage, puis c'est exactement ça. C'est du monde qui pue. C'est du monde qui pue. Bah, moi, je vous écoute, là. Ben non, c'est pas vrai. Là. C'est pas... Ben non, on les aime, nos fans, on est les meilleurs fans. Bon, puis, c'est un très beau compliment. Merci beaucoup, Israël. Bon, ben, c'est un plaisir de le partager. En fait, la seule raison pourquoi je t'ai demandé de nous inviter, c'était pour te dire ça, pour te remercier en nom. Ah, ben tu peux y aller de bord. C'est non, parce que j'ai encore plein d'autres questions. Right. Écoute, alors voici d'abord mes réflexions par rapport à l'album. Je trouve que le drum, il torche en crisse. Ah, ben merci. Il y a des tunes à la fin, là, c'est hot. Des roulades. Ouais, des roulades, ça fait des roulades à la fin. Dans le jargon musical, on dit ça. Ouais, ça fait des roulades à la fin, je trouve ça pas mal bon. J'aime ça, Israël, les bouts, quand tu cries, pourquoi tu le fais pas plus souvent? Ah! Tu cries assez de même chez vous. Tu cries assez de même chez vous. Ouais, tu cries assez, oui, mais tu t'enregistres pas chez vous. C'est vrai. C'est vrai que j'ai... T'es plus, tu cries pas tant que ça, tu fais plus... Ouais. Ouais, je grogne. Il réprime ça par exemple. Ça fait bien rire, Rachel, quand t'as entendu prendre ta douche puis tu groguais dans la douche. Ouais, je sais plus c'est quand. Je faisais dans ta douche. Après, je t'ai expliqué que c'était le poids de la vie qui sortait. Oui, après ça, tu sors puis tu fais comme « Ah, Julien, le poids de la vie. » Ben, la douche, c'est toujours un bon moment pour grogner. Ouais, ouais, crosser ou grogner, c'est idéal. Ben, écoute, ça n'a pas donné cet album-là. Il y a d'autres albums où j'ai plus gueulé. Ouais.
Je pense que ça s'apportait moins bien cette fois-là. Est-ce que tu as peur de le transposer en spectacle par la suite? Ça peut être en être partie de la raison, parce que vu que je suis comme un peu chanteur principal, ben, tu sais, des fois, tu veux ménager ta voix pour toute la run, tu sais. Ouais. Fait que une ou deux tunes que tu cries, ça va, mais si tu te mets à le faire dans toutes les tunes, ben, c'est bien rough. Non, je m'ajoute que puis c'est pas, pas tant tourné. Ben, c'est un vent qu'on a créé! Je me rends une grosse dans le cul. Je me rends une grosse dans le cul à chaque fois. C'est ça, moi, il est de porte dans le trou de cul. Mais ça, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est en surface. Ça ben, moi, je pensais, parce que tu m'avais déjà raconté, puis je pensais que tu y avais rentré une poignée de porte dans le trou de cul. Puis je me disais, tabarouette, c'est quand même gros. C'est impressionnant. C'est vraiment plus gros qu'une queue. Non, mais là, tu catches qu'est-ce qui s'est passé, là? Oui, non, je comprends. Là, okay. C'est ça. Dans le fond, j'aurais dû plus le questionner. J'ai juste pris ça pour acquis. Là, ronde, là, comme ça. C'est... Non, mais aussi qu'il l'a pas mis dans l'anus. Fait que, tu sais, c'est ouais. pas... qu'elle soit grosse ou petite. C'est genre moi, je pensais qu'en tournant, c'est ça, c'était ça votre objectif. À non, non, c'est juste de chatouiller. Ah. Ouais, chatouiller, c'est ça. Mais tu vois, même l'affaire de crotte, on dirait que dans ma tête, c'était vraiment comme... J'avais imaginé ça comme si la boîte était debout puis que tu l'avais fait vraiment sur le top de la boîte. Non, non, vraiment précisément. Ouais. Puis que tu étais conscient. Est-ce qu'avec la crotte qui restait sur la poignée de porte, vous avez mis de la coke dessus. Puis... Ensuite de ça, dans les thèmes... Il y avait comme un samouraï. Hé, hey, check mon sang! Ouais, je suis... Allez, c'est pas de la vie. Des fois, je fais des sons de même. C'est pour ça que j'essaie de maintenir loin du micro. Là, parce que... Des fois, je respire fort de même. Je m'en rends compte, c'est dernièrement, je filme ma fille, mettons, puis là, je recheck les vidéos, puis je respire en arrière. Ça sonne genre vendredi 13. C'est toutes les vidéos qu'on fait, je pense. Alors, c'est ça, votre expérience aussi. Moi, quand je filme mes chats, je suis tout le temps comme... Je les réécoute après, puis je suis comme... Tu sais, puis je suis juste comme... Bon, ben, je respire vraiment fort. Ça m'a stressé de faire le podcast, c'est pour ça, j'espère que c'est... Il y a tout le temps quelqu'un qui respire fort en arrière. Mettez un noise gate sur le micro. Ah, ok. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Ah, c'est déjà fait. Un filtre en avant, quelque chose. Ah, il a pensé, il a pensé. Okay. Dans les thèmes de l'album, on te retrouve, Israël. Je veux dire, quand on te connaît personnellement, des tunes comme Galerie, bon, on sait que c'est ta galerie chez vous, puis je suis capable de la voir, puis mercredi sans écran. Ouais. Ben, c'est une expression que tu... C'est une expression que tu utilises constamment, puis une tune mercredi sans écran. Ben oui. Puis là, on joue aux cartes avec nos amis, puis là, tu sais, ben, c'est toi, c'est ta vie, c'est ta bonhomie. C'est des thèmes un peu prolétaires de genre être père, travailler c'est de la merde, l'argent c'est de la merde, tout ça, mais tu sais que le bonheur c'est les chums. Pis, j'aimerais ça y aller plus souvent au mercredi sans écran. Mercredi sans écran. C'est dans le milieu de la semaine, fait que des fois ça donne moins bien. Ça va devenir les mardis sans écran. Vous l'aurez appris ici. Il va falloir changer de titre de la toune. On a imprimé 5000. C'est mardi sans écran. Mais donc, derrière des trucs, des thèmes plus difficiles, comme l'éco-anxiété, tout ça, bon, l'argent, c'est de la merde, blablabla, ben, il y a quelque chose de positif et de lumineux quand même qui ressort beaucoup là-dedans. C'est-tu assez commun dans le punk en général ou c'est plus... J'ai l'impression que c'est plus nihiliste, le punk, un peu. Ouais, ben, en ou fait... politique, ou... Je pense que t'as raison quand, quand tu dis qu'on fait du punk plus prolétaire un peu, tu sais. Ce qui est positif. C'est ça, tu sais. C'est nous autres, c'est tout le monde. On parle de la vie de tout le monde un peu, puis des anxiétés que les gens de notre âge ont, tu sais. Puis cet album-là est vraiment plus lumineux, on me l'a fait remarquer, mais je pense que c'est surtout la sobriété qui a amené ça. Okay. C'est un... Je vois la vie d'un œil plus positif depuis que je ne m'auto-médicamente plus aux antidépresseurs, dans le fond, tu sais. Ouais. Un moment donné, c'est ça que ça fait. Puis je pense que ça me fait voir les bons côtés de la vie. C'est le fun, les moments qu'on passe entre amis. On en a passé plusieurs ensemble récemment. On était à Paris, au parc Astérix. Ben, c'est dans mes questions plus tard. OK, oups. Je ne vais pas spoiler. Oui. Mais tu sais, de passer du bon temps entre amis, de la musique qui fait du bien, c'est ça que j'ai voulu faire rayonner avant tout à la place de juste chialer. Tu sais, comme... Les autres albums de Capable, c'était plus de tabarnak, fuck off, je suis allé me lever, société problème. La star, tu gardes ça pour la douche. Je garde ça pour grogner dans la douche. C'est correct. Mais c'est bien, puis c'est vrai, c'est ça le bonheur aussi, c'est aller voir des shows avec tes chums, puis c'est jouer aux cartes avec tes amis. Puis exactement. C'est ça sans le fun, c'est ça. Puis ça, c'est les mercredis sans écran. Évidemment, écouter les pierres à feu en gang. Justement, c'est notre nouvelle activité. Ouais, ben, oui, on écoute les pierres. C'est chez Israël qu'on écoute les pierres à feu. On va en parler tantôt des pierres à feu, d'ailleurs. On va en parler tantôt, c'est né de là. puis, ben, t'es évidemment un vieil ami aussi. On écrit ensemble Bernard Chidjo, qui a duré 7 ans. C'est une très, très belle aventure dont je suis extrêmement fier. Ouais, on peut les louer à la bibliothèque. Je trouve ça hot. Je vous invite à les louer à la banque. Et aussi, ben, on est allé au parc Astérix ensemble. Yes. Puis, te rappelles-tu au parc Astérix, la TV dans la chambre d'hôtel qui jouait, qui avait un poste Astérix? Oui.
qui jouait juste la pub du parc Astérix. J'avais comme un kick sa mère. Ouais, ben c'est là où je voulais en venir. C'est que t'avais un kick sa madame dans la pub du parc Astérix, puis nos blondes étaient jalouses. Ben là, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ben, peux-tu nous décrire la fille dans la pub du parc Astérix? La chaîne de télé du parc Astérix dans la chambre du parc Astérix. Ben, tu sais, c'est... Elle se prêtait vraiment au jeu, tu sais. Puis un moment donné, il y a genre... je pense que c'est Assurance Touriste de toute la gang ben oui. qui amène un peu de potion, puis elle fait semblant de boire dans la louche, puis après ça, elle fait comme... elle fait... ça... elle fait comme un... Ben, pour ceux qui écoutent en audio, là, elle fait comme un bras... Elle monte comme... ses biceps, oui, voilà. Ouais. Elle monte ses biceps après avoir bu la potion magique. Elle fait semblant parce qu'on sait que ça fait pas ça. Mais on est comme... Hey, vraiment cool. Puis t'es quand même belle. On se dit, hey, imagine si mon blonde faisait ça. Avant d'une mère, genre. Ben, tu sais, bon. Imagine Snow Blonde. Ouais, c'est ça, c'est une mère. Elle faisait ça. Dans le fond, ils suivent une famille. La pub suit une famille toute la journée au parc Astérix. Mais tu sais, c'est dans le parc Astérix que t'écoutes la pub du parc Astérix. C'est déjà là. On peut la trouver sur YouTube. Je sais pas. Non, j'ai pas réussi à la trouver. Je l'ai cherchée. C'est sûr qu'il l'a cherchée. On l'a pas trouvé. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'aimerais ça, tant qu'à en parler, on était à Euro Disney après. Puis oui. Te souviens-tu des pubs de Timon et Pumba qui disaient de ne pas acheter rien de des receleurs? Oui. Genre, achetez pas là, des oreilles de Mickey Mouse faites par. ouais, en titre, de troisième main, en troisième titre. Là. Pourriez-vous faire mal? Ouais, il y avait un poste sur la télé de la chambre d'hôtel d'Euro Disney qui jouait juste des émissions de Timon et Pumba en loop de comme 15 minutes. Il y avait 6 épisodes. Puis c'est juste des affaires comme pour apprendre aux enfants, tu sais, je sais pas, la sécurité, je pense. Ouais, c'est ça. Branchez pas 14 affaires. La sécurité inclut de pas acheter du bootleg. Ouais, c'est ça. L'animation. Ouais, achetez pas des cochonneries Disney contrefaites, là. Achetez-les sur le site, là. Est-ce que vous êtes allé à l'hôtel, là, justement, qui est un peu plus type safari jungle? Nous, c'était Bambi. Ouais. On a été. C'est pas le même que moi. C'est des loges dans la forêt, le thème. Parce que ça, il y a 4, peut-être 5 types d'hôtels. On a pris le moins cher. Évidemment. Puis c'était déjà cher pas mal, puis quand même. Ouais. Puis il y avait, c'est ça, il y a comme les Avengers, puis je ne me rappelle plus. Ouais, oui. Non, ils n'ont pas vu. Fait, parce que moi, puisque je pensais qu'on était allé au même, en fait, parce que celui où j'étais allé, le déjeuner, il était vraiment délicieux. Le déjeuner était bon. C'était vraiment un bon déjeuner. Oui, le déjeuner était bon. Puis au parc Astérix, il y a une rumeur qui court à l'émission que j'aurais utilisé la carte de ton fils autiste. Une rumeur! Pour passer la file. Ben, c'était pas une rumeur, tu l'as avoué en onde. Pour les manèges. Ça, c'est vrai, cette histoire-là? Ou... Ben, en fait, les holos, ben, c'était dur parce qu'on était au parc Astérix le matin même qu'on est débarqué de l'avion. Fait que, tu sais, les holos, à mi-journée, il y en avait son casse. Fait que j'ai proposé pour la santé mentale du groupe de rentrer à l'hôtel avec mon jeune. Aller écouter la pub. Aller écouter la pub. Ouais, c'est ça, juste ça que tu voulais. Ouais. Je pense qu'on va rentrer écouter la pub. Ben, je veux dire, avec Léolo. Puis Julien a eu la vivesse d'esprit de dire « Ah, ben, je peux-tu prendre le bracelet de Léolo qui permettait de skipper les fils? Oui. » On te l'a donné. Mais c'était pas un bracelet enfant, hein? Non? Ah, ben, ça faisait pas long. C'était une carte, définitivement, puis il y avait un bracelet en plus, je pense pas. OK. Me semble. Ou Evelyn portait le bracelet, je me rappelle pas. Anyway, ça t'a permis de skipper les fils, mais paraît que tu t'es fait revirer de bord à 2-3 reprises. Ouais, ça a l'air que des fois, j'avais pas le casting d'un enfant de 10 ans autiste à l'occasion. Mais tu sais, si tu pognes, ils appellent ça des... Il y a un terme précis, mais si tu pognes un membre du staff, qui est un peu plus, qui s'entresse un peu plus, tu sais, check ton racet, ah ouais, vas-y. Bon, ouais, ben c'est ça. Fait que ça marchait comme, mettons, 2 fois sur 3, là. Ah ouais. Puis les autres fois, ben, je faisais semblant que ça me faisait paniquer parce que j'étais autiste. Mais là, est-ce que ça permettait à tout le groupe de passer la ligne? Oui, parce que les gens qui l'accompagnent, il faut qu'ils l'accompagnent dans le monde. Ça aurait pu dire que t'as la même maladie que Jack dans le film avec Robin Williams. Ben, ça aurait été poussé ma loque pas mal, là. Mais t'actais-tu un peu quand t'arrivais? T'étais-tu comme... quoi? Est-ce que t'actais, genre, quand t'étais... Ben, je vais pas le faire devant la caméra. On dit que c'est bon. Je vais pas le faire devant la caméra. Ah, il est pas fier de lui. Hein. Ben, je dis pas que je suis pas... Ah, t'es un peu fier de ça? Je dis pas que je suis fier, je dis pas que je suis pas fier. Ah, c'est cette zone-là entre c'est les deux. C'est ça. Sinon, une autre activité qu'on a faite ensemble, c'est qu'on est allé voir le film de l'Angry Video Game Nerd. Yes! Qui célèbre ses 10 ans cette année. Puis, ça avait été une belle douche froide. Et d'ailleurs, Joe était dans la salle, puis on ne connaissait pas Joe à l'époque. Joe, qu'est-ce que t'as pensé du film de l'Angry Video Game Nerd? C'était ordinaire, mettons. Puis c'était long comme soirée, hein? Oui, c'était l'enfer. C'était pas super. Ben, moi, non. Je me rappelle qu'on était très excités, écoute, puis on buvait une dose de Rolling Rock dedans la file. Oui, c'est le bonheur. Puis
on est arrivé, puis il y avait genre 3 courts-métrages avant. Ouais. Puis ça nous a vraiment déchanté, là. Fait que le film est comme débuté genre à 11h40, ben là, oui, je sais pas quoi. Puis le film, il dure 2h. Ouais, ouais, puis le film est tiède. Puis il est plate à chier. Puis c'est comme des nouveaux personnages. ça a pas rapport. Tu sais, c'est vraiment. C'est, OK, c'est toute une douche froide. Fait que le box-office, Julien. Il n'y a pas de box-office parce qu'il n'y a pas de distributeur régulier. Okay. C'est juste sorti dans les festivals. Mais je sais qu'il a coûté comme 400 000$, là. En... Mais on dirait que ça l'a beaucoup de membres Patreon, ouais, non, c'est sûr. On dirait que ça l'a détruit. Il s'est jamais relevé de ça. Ouais, ben les nouveaux épisodes sont comme moins bons qu'avant. Non, il en fait 6 par année. Puis là, c'est quelqu'un d'autre qui les écrivait. Maintenant, il est accusé de plagiat. Hein? C'était comme. On dirait qu'il s'est. On dirait qu'il s'est jamais relevé de ça. De son film. De son des fois, ton plus grand rêve peut t'amener en bas, mais j'espère que le nôtre va nous amener en haut. Ben, peut-être que c'est ça qui va vous. On s'en lèvera jamais de ça. Ça va être chute aussi. Mais là, capable, là, c'est quoi cette bibitte-là? J'ai goût de. Ouais, ça marche. On dirait que j'ai goût d'entendre. On dirait que j'ai goût d'entendre une deuxième chanson de Capable. On va jouer le morceau Tout ce que j'ai de l'album Le désordre organisé sur Stomp Record. Qui se trouve ici. Et ailleurs aussi. T'es ready, ça? Non. L'exercice c'est fatigant, être alcoolique c'est déprimant. La coke c'est correct une fois de temps en temps. Quand les problèmes comptent les maux de la société, y'a pas grand chose qui peut garder en santé. La vie c'est ben trop compliqué. Puis quand je suis en crise, il reste plus rien. Ah! C'est très bon. Attendre le bus, ça prend des gants. T'es même plus à l'abri en dedans. C'est seul Québec, c'est seul Québec. Sacrament, je suis quand même chanceux d'être pogné avec toi. Ça donne une vague d'hiver en été. La vie, c'est bien trop compliqué. Puis quand je suis plus rien qu'à chanter. J'ai comme une colère qui brûle en dedans de moi. Ces chansons-là, c'est tout ce que j'ai. J'ai comme une colère qui brûle en dedans de moi. Ces chansons-là, c'est tout ce que j'ai. Wow, 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 wow. Ces chansons-là, c'est tout ce que j'ai comme une colère qui brûle en dedans de moi. Ces chansons-là, c'est tout ce que j'ai comme une colère qui brûle en dedans de moi. Ces chansons-là, c'est tout ce que j'ai. À part mon chum Julien. Ah! Ah! Moi, j'ai juste la colère. Youpi! La colère! J'ai le goût de brûler. Brûler des affaires. Et bravo, c'est très bon. Ça se trouve sur votre dernier album, ça aussi, sur votre dernier record. Oui, puis c'était même une chanson que Zay avait enregistrée avec son autre projet qui s'appelle Mange le Cendrier. Fait que la toune, ça fait comme 2-3 ans qu'elle était sortie. Ton album solo. Oui. Que j'étais passé à Décidéré pour en jaser, justement. Ah, ouais. Bon, ouais. Puis. T'avais-tu raconté la j'étais un grand habitué. J'avais pas rencontré la lecture, c'est quoi là? Ben, dans 15 fois, t'as ta carte chouchou. Ah! Ça, bon, ça s'en vient. J'ai été co-animateur aussi quelquefois. Tu m'as invité pour interviewer Vincent Pic, tu m'as invité pour interviewer Bruno des Marmottes Aplaties. Quand tu es un artiste du rock québécois, je suis comme ta wild card. C'est ça, ouais. Il arrive ces questions. C'est vrai qu'il est wild. Oui.
Look at him. Mais là, capable, là, me semble, c'est pas un band acoustique, me semble que c'est pas comme ça sur l'album, la musique. Non, ah. Puis ça nous déboussole bien raide de faire des sets acoustiques. Ouais, là, ouais, on en fait ouais, jamais. Hein. Tu nous demandes ça, puis on est comme. On pique pas en même temps, puis tout, ça nous mêle. Moi, okay. Je sais pas s'il faut chanter, que je chante haut. Bas, you mais, le drum, comment mais c'est on qu'on le fait pour te faire plaisir, Julien. Ah. Parce que tu nous l'as demandé. Ainsi puis... que nos auditeurs, ben, c'est très apprécié. C'est ça. Ben, puis ça fait comme, c'est comme des B-sides. C'est ça. Ouais, ouais. Un peu, c'est le fun. C'est l'album live. C'est l'album live. On live de 2 tonnes, de 5 minutes. Unplug. Yes. Unplug. C'est l'album live. Unplug and Unplug. Ouais. Unplug, butt plug. Unplug in Rosemont. Butt plug in New York. On est unplug, mais moi j'ai un butt plug. Ben, moi aussi j'en ai un, il vibre. Présentement d'ailleurs. fait que donc. L'album, vous faites le lancement le 22 mars au Turbo House. Ah oui, c'est pour ça qu'on est là, oui, c'est vrai. Entre autres choses, il y avait l'album qui est... Puis pourquoi le Turbo House? Parce qu'il n'y avait pas d'autres salles disponibles. Non, ben mais non, aussi... non, on aime le Turbo, ça fait, on a joué là souvent. C'est comme notre deuxième salon, sérieux, ça va être notre genre puis 10e on, fois. Puis on a brainstormé, on prend une salle, si le Turbo c'est quand même petit, ouais. Tu sais, il sent quelques places, on prend une salle un petit peu plus grosse. Ah, fuck it. Le Colisée. Non, ben, tiens, mettons les. Ben, tiens, avec le Turbo, on est sûr que ça va être sold out dans ça. Le fond, tu sais, puis ouais. Que le party va pogner, puis tout. Fait que c'est moins stressant et tout. Je crois que le Turbo qui est une salle plus grosse, on se dit, ah, il va avec le Turbo, on connaît le monde, c'est notre place, ouais. Fuck it, on mais est avec ça, le Turbo. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, cette soirée-là, là? Ah, ben, c'est le fun parce qu'on a invité un band de femmes qui s'appelle Rope Skills, nos bonnes amies. Ouais. Puis aussi, on a invité un band de jeunes parce que l'album, oui. Thématiquement parlant, il parle aussi de passer le flambeau. Fait oui, que, ça revient beaucoup, hein? Ça, oui, c'est ça. Ouais. Fait que, ben, tu sais, j'ai été... Je tape la trille, je suis le chemin. C'est ça, voilà. C'est un puis, peu ça. Oui, en puis, espérant que les autres suivent le chemin par la suite. Exactement. Ouais. Puis, fait qu'on a invité un band, tu sais, qui vient tout juste d'être légal à jouer dans les bars, qui s'appelle yeah. Conflit majeur. Fait que j'ai hâte de voir leur set. Avant, c'était Conflit mineur? Il est capable encore. Il est capable encore, le bonhomme. Puis, Seth, je les ai vus en show, puis ouais. Genre, c'est fourrette, dans c'était, le fond. C'était mon idée des invités, en fait. Okay. Idée de génie, soit dit en passant. Hein? Idée de génie. Ouais, je les avais vus en show, esti, puis c'était comme un show dehors, puis il y avait plein de jeunes, puis j'étais, il y a des jeunes qui écoutent du punk. Et vous avez l'impression que les jeunes n'écoutent plus le punk? Pendant un certain temps, je pense. Pendant un certain temps, on était comme, on pensait que c'était une affaire de bonhomme, un peu comme nos parents écoutent Pink Floyd. Là. Ouais, ouais, de vieux ouais. Bonhommes comme nous autres. Ah, sauf ouais. Que là, il y a ben, comme c'est vraiment... ça, il y a ça aussi, mais je trouve vraiment qu'il y a un revival de jeunes qui écoutent okay. Du punk. Là. Ah oui, y a en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte, là, ça m'a vraiment frappé. J'étais, aïe, aïe, man. Je me revoyais là, genre ouais. Jeune comme eux autres, esti, puis ils se font du linge, tu sais, genre là, vraiment des jeunes punk. Ouais, ils écrivent ben... Conflit majeur sur leur t-shirt avec un Sharpie, puis c'est good enough. Fait que ça donne l'espoir quand même. C'est ça, ouais. c'est ça ouais. Le fun. Okay. Est-ce que les jeunes connaissent encore Tintin? Ben justement, il y avait toute la coupe à Tintin. Puis Bugs Bunny. Puis Bugs Bunny, mettons. Son lit, il s'échange des BD. Ouais. Michel mettons, Richard. Toi, t'as un fils de 10 ans, est-ce qu'il connaît Tintin puis Bugs Bunny? Il connaît Astérix. Il connaît Astérix. Ouais, ben il y a pas juste Tello par Astérix. Mais il connaît pas Tintin puis Bugs Bunny. Ouais. Bugs Bunny, oui, parce qu'on est, on a écouté à plusieurs reprises Basket Spatial 2. Oui. Okay, quand LeBron James serre son garçon dans ses bras, Léolo veut me serrer dans ses bras. Là, tu pleures. Moi, ouais, je suis comme moi. Ah. Ben, il fait de. Comment il peut. Du modelage que ouais. Les intervenants disent. Okay. Ma fille, elle aime bien le monde des Looney Tunes. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'elle écoute du monde des Looney Tunes? Pépé Le Piou. Ouais. Elle aime juste Pépé Le Piou. C'est son best. Ben, c'est quoi j'y mettais là, l'autre jour, là, genre Bugs Bunny. Juste le gros coq, là. Ouais. Juste le gros coq. Honnêtement, je sais plus qu'est-ce qu'elle écoute là, tant que ça, là, mais je sais que l'autre jour, on écoutait ça. Tu sais pas qu'est-ce que ça fait, écoute. Elle écoute, oui, elle écoute Bluey, c'est ton site. C'est bon, Bluey. Fucking bon. Ouais, hein. C'est bon, Bluey. Elle me dit, ah, elle te ressemble, le père te ressemble. Il chante tout le temps. Mon ex m'avait dit ça aussi, elle dit, ouais, que le père te ressemble. Puis là, j'écoute 2-3 émissions, tu sais. Finalement, il est juste fatigué, puis il a mal au dos tout le temps. Ouais, hein. Il joue avec son ouais. Enfant. Bon, papa va aller faire une sieste. Ah, ouais. Ben, ouais. C'est vrai qu'il me ressemble. Ouais. C'est bon, Bluey, c'est australien. C'est, bon. Pis, c'est ça que je pense le charme, c'est que c'est... Les gens qui ont des enfants se retrouvent là-dedans. Ouais, puis tu sais, ils règlent des problèmes de façon réaliste, ouais. Contrairement, mettons, à la Pat Patrouille qui règle des problèmes non, ça, avec la police. Avec la police, puis genre un hélicoptère, puis.
Ouais. Tu sais, c'est comme pour régler un problème, ça prend un 4x4 et un hélicoptère. Je suis comme, non, c'est pas ça la vie, là, tu sais. Fait que je suis bien content. La vie, c'est d'avoir mal dans le dos et d'être fatigué. Ben, je trouve vraiment que, tu sais, en tout cas. Ben, en tant que tous les deux, vous êtes pères, vous pouvez faire une toune là-dessus, tu sais, comme. Fuck la patrouille, écoute, Louis! Non. Ok, ouais, tu veux dire dans ce sens-là. Non. Spécifiquement. J'ai fait des tunes sur le fait d'être parent. Mais ouais, non, mais plus, non, mais plus spécifiquement. Plus Bugs Bunny! Robin, c'était là que c'est ça. C'est la première femme queer à l'écran. Ben, tu sais, il est rendu là, c'est mon problème d'y mettre de la TV. Là, tu sais, je pourrais l'occuper à faire autre chose, c'est juste que. Ouais, mais t'as trop fait fouiller, putain. J'ai mal au dos. Comme le père dans Bluey, fait que tu mets Bluey. Tu sais, le monde qui chiale de qu'est-ce que les enfants écoutent, je suis comme, ben, tu sais, fais d'autres choses avec ton enfant. Est-ce que c'est à cause qu'on est allé au glissade d'eau que t'as mal au dos? Ben non, hey, voilà. Si j'ai mal au dos depuis que je suis né. Ça va pas ça va pas s'améliorer, mon ami. Non, mais le lendemain des glissades d'eau. Oh my god, ben, tu sais, j'ai attendu comme une. Ben, tu sais, on est tout allé au physio après ça. Quasiment tout. Pas moi. C'était la dernière fois qu'on a été au glissade d'eau. Ben, j'étais tellement coincé, là, c'est une madame qui essaie de me décoincer, puis je sais pas, elle me pognait de même, là, puis là, elle me levait, puis là, elle essayait de me recoucher sur la table, il fallait que ça fasse un crrr, tu sais, puis elle était comme, je suis pas capable, là, elle fait venir un gars, genre, là, elle est sortie du local, il y a un gars qui est venu, genre, tu sais, comme un gros monsieur il y a un gars qui est venu de twister son pot de pécan, ouais, là, il est venu, il m'a pogné, man, puis genre, il m'a, tu sais, une prise de lutte, là, vraiment, là, il m'a couché sur la table, là, ben ouais. Ah, oh, le zinc, ça m'a comme ouvert le chest. Ah, c'est bon. C'est là, ça, respirer. Je retourne plus au glissade d'eau, là, mais c'est fou. Non, on est trop vieux pour ça aussi. Ouais. Hey, ça va pas bien. C'est comme bon. Mais le temps fait pas de cadeau, mais il faut apprendre à l'apprécier. C'est sûr, il faut regarder ce qu'il nous donne. Capable, donc, le désorganisé, on trouve ça où? Partout. Sur, vous pouvez l'acheter sur Bandcamp. Il n'est pas vraiment chez les détaillants. Non, ouais. c'est vous pouvez le pogner dans les shows de Capable. On va tourner toute la province du Québec en automne. On n'a pas de date à vous dire, malheureusement. On est sous embargo. Oui. Sinon, venez au lancement le 23, le 22. Le 22, il va y avoir 5$ de rabais sur l'album. Le vinyle, en plus. Puis sinon, ben, sur nos pages Facebook, Instagram, on répond au monde. Puis là, je lance chez elle. Je lance ça, là, parce que je veux que ça soit sold out, mais le staff de DCDRay va être là. Fait que si vous voulez rencontrer vos idoles, il faut acheter des billets. Ouais. Ils vont être là pour signer les autographes. Signer vos albums de Capable. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je serai pas là. Je suis à Jonquière. Ah non, mais là, pour ça, là, le monde pour le 600e de DCDRay, la succursale de Jonquière. Le 601e. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez genre des... Oh, ben, c'est parce que c'est long à expliquer. Il y a des cellules, il y en a une à l'Impéra, il y en a une à Jonquière. Il y a des chapitres de DCDRay. Il y en a d'autres dont on n'a pas parlé encore. Okay. Vous êtes comme le Wu-Tang un peu. Ouais, okay. Ça, il y a des cellules. Ou les motards, là, on est comme les Hells un peu. Ben, tu peux les écouter dans 600 épisodes là, déjà, de fait. Ouais, il y a juste 600 épisodes, écoute-les. 600 épisodes. C'est le 600e la semaine prochaine. Eux autres aussi. Brièvement. 21 mars, Turbo House, c'est 10$. L'album va être 20$. 3 bombaines. Venez-vous-en. Venez-vous-en. On va voir ça. Merci beaucoup, Israël. Merci beaucoup, Sébastien. T'as des grandes mains. Mais on va continuer avec Guillaume, qui a une petite chronique pour nous. J'ai un petit pénis, pourtant. Ah, il a une petite queue. Là, après les CV. Puis je vois non loin de moi un garçon qui aime beaucoup tout. Oui, c'est la chronique de Guillaume, votre meilleur ami. Alors, moi puis Israël, on s'est parlé la dernière fois qu'on a écouté les pierres à feu, puis on s'est mis à faire des jokes de « mais là, qu'est-ce qui se passerait exactement si, par exemple, les films qu'on connaît déjà, tu sais, qui sont populaires, mettraient en scène, en fait, les personnages des pierres à feu? » Puis tu sais, c'est ça, c'est qu'on les écoute tout ensemble, là, les pierres à feu, fait que d'ailleurs, tu viendras la prochaine fois. Ben, vous le faites ça le lundi, puis le lundi, j'ai ma fille. Ça, c'est ça. Mais peut-être qu'elle va aimer les pierres à feu. Elle aime juste Pat Patrouille et son père. Et Bluey. Bluey. Alors, ben c'est ça. On s'est dit que ce serait une bonne idée d'en écrire ensemble quelques-uns. Hein. Fait que là, je les ai toutes pris en note. On a eu beaucoup de plaisir depuis deux semaines. Vous avez écrit ça à deux, là. Israël, c'est une personne très drôle. D'ailleurs, avant de commencer la chronique... C'est plus drôle avant, mais il est encore drôle. Je voulais lire le statut Facebook le plus drôle qu'Israël a écrit, selon moi. C'était en 2017. C'est quand tu faisais un marathon de films de Resident Evil. OK.
puis que tu disais que t'avais vraiment hâte à la scène où elle va arriver devant une valve sans poignée, puis qu'il va falloir backtracker jusqu'au save room parce qu'elle n'est pas capable de traîner plus que 8 affaires en même temps. Puis ça me fait beaucoup rire. C'est bon, ça. C'est bon. C'est quoi, moi, je la trouve pas si drôle que ça, là? Non, non, elle est bonne. Moi, mettons sur mon épitaphe, je veux pas que ce soit celle-là qui sort. Moi, j'en parle régulièrement à plein de monde, puis je retourne la lire. Ben, j'imagine Mila Jovovich est juste comme « Ah, shit, je peux pas traîner les affaires en même temps. » Elle se tourne carré. Fait que là, il faut qu'elle retourne au safe room, puis là, qu'elle ouvre le frigo, tu sais, puis c'est comme « Les jeux de backtracking. » Elle chante les affaires. Alors, on a quelques suggestions de films pour vous parmi les films les plus populaires. Hein. Certains sont plus obscurs, d'autres sont plus connus, d'autres vont s'adresser plus aux gens de notre âge. Donc, donc des films des pierres à feu. Pierres à feu. En général, tous les titres tournent autour de Roche, là, dans le fond, comme par exemple « Rochision indécente ». Monsieur Miroc offre $1 million à Fred pour passer une nuit avec Delima. Il accepte par cupidité, mais regrette bientôt son choix, car il est trop scrupuleux. C'est bon. Oui, c'est bon. Ça serait bon. Oui. Très bien. La main qui berce l'agate. Fred et Delima pensent accueillir... C'est approuvé par Joe. Fred et Delima pensent accueillir chez eux la nounou parfaite pour s'occuper d'Agathe. Malheureusement, cette dernière semble avoir l'intention de remplacer Delima dans la maison des cailloux, en vidant cruellement la pompe à asthme de sa patronne et en donnant le sein à Agathe à l'insu de ses parents. Les Laroche, suspicieux, sont rapidement éliminés lorsque la méchante gardienne cache les bobettes de la petite dans la commode d'Arthur, en plus de tuer Bertha dans la serre vitrée en lui cassant dessus toutes les fenêtres. Les femmes! Les femmes! Ouais. Hein? Pour mettre en contexte, parce qu'il dit ça des pierres à feu, là. Il dit ça des pierres à feu, là. C'est rendu un running gag pas mal de décider. Tu m'as un service à Niquette? Oui. Je sais pas. Tu veux-tu ramener ma gourde d'eau? Il voulait pas me danser tantôt, mais remplir des gourdes d'eau, il veut. Le gérant est tombé sur la tête. Il est tombé sur la tête. Fait tomber le cadre aussi. Ah, boing! Alors. Je vais changer mon décor comme je veux, toi. Bernard, tu animes, toi. Ben, c'est ça que je fais, mais là. C'est ça. Ils ont dit qu'elle était bonne. Ils ont dit qu'elle était bonne. Mais ben oui. Ça va être un peu mon rêve, j'espère. Là. Non, non, ça fait. Au contraire, ça va être juste en l'eau. Je vais prendre de l'eau froide, s'il te plaît. Rock. Elle donnait de l'eau bouillante. Ben, ma grand-mère, elle buvait ça, juste de l'eau bouillante. Elle est morte. Non, elle est encore morte. Ah, ok. Ben, tu vois. C'est peut-être ça le secret. C'est ça le secret, c'est de l'eau bouillante. C'est ça le secret. Pas de thé, pas de café. Pas de thé, pas de café. Rien que de l'eau bouillante. Elle prenait juste un verre d'eau bouillante. Mais quand tu dis bouillante, c'est comme ça fait des bulles. Ouais, ça ferait dire. Mais non, elle peut pas faire ça. Je te jure, elle venait chez nous, elle prenait un verre d'eau bouillante. Bon, ça a été élevé à misère noire. Ben oui, c'est carré. C'est vrai que. Mangeait du savon. Il était fait sur un autre shape. Non, non, juste de jour. Juste de jour, ça correct. Ah, pauvre, mon Dieu, Seigneur. En tout cas, j'espère qu'il est heureux. Continue, Guillaume. Rock Mento. Fred recherche sans relâche l'assassin de Delima. Le problème, c'est qu'il perd la mémoire à toutes les 15 minutes. Il doit donc se tatouer chaque nouvelle information avant qu'il ne soit trop tard. Yabadabadou! C'est comme un Mento, mais qui avait Dabadou à la fin. Ouais, exact. Il y en a qui c'est pas mal de même. C'est du stick and poke. Il y en a beaucoup que c'est juste comme le riz. Ouais, c'est ça, déjà, il y avait. C'est juste un marteau avec une aiguille. La plupart. C'est fucking long. C'est vrai? Mais la plupart, en fait, là, des affaires, on trouve ça bien drôle, mais c'est pas mal juste des résumés de films, mais on remplace tout le monde par Fred, puis Delima, puis Arthur. Puis ça finit par Yabadabadou. Ça finit par les babelles. Mais les vieux. Ça, c'est-tu dans Pierre à feu qui dit ça? Dans un épisode. Oui, dans deux, trois épisodes où Fred est comme les femmes! Ah, je pense que ça va arriver plus souvent qu'on pense. Là, on a ça encore quatre souvent, saisons. On avait fait un décompte. Je pense que ça arrive, dans la première saison, ça arrive plus souvent qu'il y a Yabadabadou. C'est pas dans Blue Week. Ben, c'est vraiment quelque chose parce que tu sais, c'est vraiment comme les gars sont tout le temps. Parce que tous les épisodes de Pierre à feu, c'est juste les gars veulent faire de quoi que les femmes veulent pas qu'ils fassent. Fait que là, ils se déguisent. Puis là, les femmes veulent les amener comme à l'opéra ou faire des activités culturelles. Les autres, ça leur tente pas. Là, ils se déguisent. Puis là, ils se font pogner. Puis là, ça finit que les deux femmes leur donnent des coups de sacoche à la tête. Tu viens de me convaincre d'emmener ma fille de 4 ans. Écoutez, ouais, non, c'est pas mal, c'est rushant quand même. Cours, Delima, cours. Un exercice de style racontant le même récit de trois manières différentes. Delima tente de rembourser la dette de son idiot de mari qui s'est encore mis les pieds dans les plats. Peu importe comment ça se passe, qu'elle réussisse ou qu'elle échoue, Delima finit toujours par lui donner un bon coup de sacoche à la tête. Ah ben, ça reflète ce que tu disais une minute. Ouais, exact, bam! C'était du foreshadowing. Y avait-tu une joke par rapport à ça? Ah oui, j'y vais. Ben, la joke, c'est que c'est les pierres à feu dedans les films. Des fois, je les lis, je suis comme... C'est ça la joke, essentiellement. Non, mais y en a-tu qui... Y en a que je suis pas sûr, là, c'est comme c'est des expériences. Bon, vas-y. L'étal lance-pierre. Les aventures rochambolesques d'Arthur Laroche, un policier qui fait sa propre loi et de son partenaire Fred, qui, à l'aube de la retraite, est trop mille
est vieux pour for this shit. C'est moi qui l'ai écrit, celle-là. Ouais, parce qu'il est too old for this shit. Il est trop mais vieux pour this shit. Ouais, exactement. Ouais, merci, ouais, Julie. Non, non, ben... celui-là, je pense, en tout cas, je ferai pas, je vous dirai pas ce que j'en pense. Ah, vas-y, je vous lis, vous verrez. Rochaud Vipat. Fred, Delima, Bertha et Arthur font de l'héroïne. Ils ont l'impression de rentrer dans une peau de mammouth, voient bébé Agathe marcher au plafond et chient dans le lit d'un one night stand. Mais vieux! C'est Rochaud Vipat. J'allais dire, c'est celui-là qui me le plus rire. J'ai la gaffe. Yeah! Oh non! Ah, c'est tête qui twist. Oh my god. Les Rochardes. Là, ici, c'est spécial, crise d'octobre. Ah. C'est la crise du rock. Le gouvernement adopte la loi des mesures de guerre. Fred, Arthur, Delima et Bertha sont enfermés pendant des jours sans raison. En prison, on les humilie profondément et Fred ne s'en remettra jamais. Si, la joke, c'est comme qu'il n'y en a pas, puis c'est vraiment sombre. Rock octobre. Joe tête de pierre. C'est rocktobre. Rocktobre. Joe tête de pierre, Arthur la rose. C'est bon, hein? Et Fred Caillou kidnappe le politicien, M. Miroc. Il cale du ptérodactyle free. Oui. Et Fred. C'est-tu là qui se fait? Il cale du ptérodactyle free et Fred se fesse dans la face. Avec une grosse roche! Ok, excusez, j'ai rudé à la joke. Il revient souvent sur la scène d'octobre. C'est sa scène préférée d'octobre. C'est ma scène préférée du cinéma québécois. La scène d'octobre du gars qui se donne des coups de pied de roche dans la tête. Ben, c'est une brique. C'est une brique. Ouais. Pas qu'il soit reconnu. Mon Dieu, pauvre lui. Hey, c'est vrai, on a parlé de ça genre 20 fois de cette scène-là. Mais bon. Il y avait une autre scène. Ah, en tout cas, on va continuer. Mais ben, il y a aussi la scène où ce qui brouille la sauce. Là, j'aime bien ça. Oui, 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 je tu l'avais pas mentionné. C'est quoi, non, le gars là, qui. Le gars là, qui dit hey, je paye 100 piastres pour. Ah oui, ça c'est dedans le collectionneur, il y a Laurence Arquette. Oui. Qui, Ah oui, ce gars-là, il allait me payer 100 piastres pour que je le suce, puis qu'il. C'est ça. Laurence Arquette se fait battre. C'est la police, elle arrive, le gars se sauve. Ce gars-là, il me paye 100 piastres pour que je le suce, puis qu'il me casse la gueule après. Check ce que t'as fait. Il est vraiment à crise. C'est le cinéma québécois. Le cinéma québécois, mon gars. Tu peux payer 100 piastres pour faire casser la gueule après avoir suce. Boum, boum. Chris. Bon, sur quelque chose de plus léger. Oui. In the mood for rock. Arthur et Delima, voisins, se rendent compte que leurs partenaires respectifs, Fred et Bertha, ont une liaison secrète. Ils se lient d'amitié, ne sachant que faire de cette situation, et développent rapidement des sentiments amoureux. Incapables de faire la même chose que leurs conjoints et conjointes qui pratiquent l'adultère, ils s'obstinent à ne jamais consommer leur amour. Arthur déménage en Malaisie, mais n'oublie jamais Delima. Il partage son secret dans le creux d'un mur fendu d'un splendide temple bouddhiste. Oh boy. Je comprends. Pour l'avoir vu. Fallait être là. Ouais, c'est vu. Fallait être là, voilà, des millions d'années. C'est vu une de mes fois. Je me disais, ce serait drôle que je finisse ça sur comme. Dans une espèce de. En tout cas, bref. Vous écouterez le film, c'est excellent. Oui, c'est un grand film. Anatomie d'un dino. Delima est accusée d'avoir poussé Dino en bas de la galerie. Elle doit se défendre au tribunal qu'elle est innocente devant Arthur, avocat coriace de la couronne. La mémoire auditive d'Agathe, aveugle depuis un accident survenu dans sa jeunesse, jouera un rôle crucial dans le procès. Très Oscar worthy. Oui. Fais de la Fred. Fais de la Fred. Maintenant adulte, Agathe a une vie de marde. Son chum l'a dompée et elle n'a plus de job. Elle doit retourner vivre chez sa mère. Comme si ce n'était pas assez, son ami imaginaire Fred vient tout rempirer pour qu'elle aille l'air complètement folle devant toute la population de Saint-Granit. On rit, mais on est stressé aussi. J'ai oublié de rajouter le truc que tu avais dit. Ah ouais, puis l'écrit sur les murs avec du caca, ouais, comme dans le film. Mais je pense que c'est de la boîte dans le film. Je pense que c'est mentionné. Hey, tu l'as-tu? On l'écoute-tu ensemble? Ah, oui, mon avec... Dieu. On pas... l'écoute. Ben Fred Fred. Pas là, écoute là, Fred là. La Fred. On écoute Fred de la Fred. On écoute Fred de la Fred. Là, celui-là, il était... on n'était pas sûr. Ah, il va être trop tard, vas-y. La mouche préhistorique. Non, mais moi, je trouve bon, lui. La dernière invention d'Arthur. Une machine qui permet la téléportation. Seul problème, il s'est lui-même téléporté sans se rendre compte que Dino était dans la machine avec lui. Les deux personnages fusionnent et sont vraiment dégueulasses, boursouflés et déformés. Ensemble, ils doivent vomir sur leur Bronto Burger avant de le manger. Bertha va lui donner un bon coup de sacoche.
C'est un des meilleurs. Pourquoi t'hésitais? C'est parce qu'au début, on se disait, on fait-tu une mouche ou bien on fait comme on intègre un personnage, puis là, tu sais, en tout cas, bref, on s'est décidé jusqu'à la dernière minute. Là, puis, ça a été toute une histoire. Ça. Il y avait aussi, j'en ai sauté une couple, là, de Arrival. Mais il n'y a pas de jeu de mots avec non, ça. Non, il est bon. Delima, une docteure en linguistique, doit rapidement apprendre à communiquer avec un petit extraterrestre vert nommé Gazou avant que le maire de Saint-Granit fasse une attaque armée. Et voilà. Il y avait aussi le dîner de Contes aux Heures. Fred invite Arthur à dîner dans les plans de le ridiculiser, mais ce dernier vire sa vie à l'envers à cause de sa grande stupidité. Fred perd tout, mais réalisera que tout ce temps, c'était lui, le dindon de la farce. Ah, comme le dîner de con, mais avec Fred Caillou. Exactement, c'est comme c'est ça la joke. Oui, c'est ça. Il y en a-tu d'autres? Je pense qu'on a fait le tour, là. Aimez-vous ça? Oui, c'est bien. Vous en rappelez-vous? Ben moi et Guillaume, on a ri toute la semaine. Ah ben, c'est ça l'important. Qu'après, ça somme avec des grosses roches, en fait, pour être défiguré. Oui, c'est bien. Mais vieux. En tout cas... Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Merci à Israël aussi de m'avoir aidé. Oui, je suis content d'avoir... Mon Dieu, ça m'a fait rire. J'ai ri toute la semaine. Ah, moi aussi. On s'écrivait en privé comme... Ben, on s'écrivait les résumés. Oui, ben, toi, tu ris en caps lock, elle écrit, on t'entend rire. Ben, quand je fais un caps lock, ça veut dire que j'ai vraiment... T'as explosé, t'as hurlé. Ça, c'est vraiment... J'ai ri fort. Oui, puis Guillaume habite près de chez moi, fait que je l'entends rire dans ces moments-là. Quand je travaillais à la cinémathèque, on disait souvent qu'on savait que je travaillais ce jour-là parce qu'on m'entendait rire sur 3 étages. Oui, c'est contagieux. Oui, c'est vrai. J'étais en bas et j'entendais. C'est comme. Guillaume est là aujourd'hui, je suis content. Ouais, voilà. Écoute, merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. Merci, Julien. Et merci, Israël. Merci, Sébastien. Capable, on écoute ça. Le désorganisé, c'est super bon. Je l'ai écouté plusieurs fois. C'est excellent. C'est la somme de travail. C'est vos faces. Ben là, c'est sûr que le monde l'achète, mais on ne peut-être pas ça. Là. Non, rien. Fait que voilà. Merci Joe. Si tu veux que le monde l'achète, montre pas ça. Voilà. Quoi? Et voilà. On se voit la semaine prochaine, les amis, pour le monde Patreon. On continue sur Toujours Vivant. Bye bye, merci pour tout. Venez voir le show au Patrovis. C'est le 22 ou le 23? Nous autres, c'est le 22, toi, c'est le 23. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus traiteur. Plus d'explosion. Plus d'explosion. Plus d'explosion, plus d'explosion.